Pour l'instant, on n'a pas encore eu de nouvelles de crocodiles qui se retrouvent dans la ville. Et en toute honnêteté, un crocodile, s'il y en a un qui vient rapidement, quelqu'un qui va prendre sa carabine et le tuer. Parce que bon, les gens sont habitués à ce genre de bêtes-là. Mais les serpents, par contre, c'est beaucoup plus embêtant parce que c'est plus petit, c'est plus difficile, ça se faufile partout. Ça peut se retrouver dans un coin d'une maison, vous ne le savez pas. En général, il n'y a pas trop de problèmes avec les serpents. Il faut savoir où aller marcher. Mais quand ils commencent à nager et que l'eau envahit votre maison, alors là, ça devient un problème parce que vous pouvez en retrouver un en bas de chez vous, dans la cage. Et puis surtout, c'est que si vous voulez traverser la rue pour aller voir vos voisins, s'il y en a un dans l'eau, ben, il va peut-être passer entre vos jambes, quoi. Et donc, il y a déjà eu quelques morts maintenant avec des serpents. Le trépan, c'est un des serpents les plus venimeux au monde. C'est un de ces serpents-là qui se retrouve dans la région, quoi.